Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien. On se retrouve sur Ozyr's New Dawn. Alors je voulais revenir un petit peu sur ce jeu parce qu'il a vraiment évolué. Donc moi c'est vrai que ça fait un an que j'y ai pas joué. Donc il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup de contenus qui ont été rajoutés. Alors je vous propose de le redécouvrir un petit peu avec moi. Donc on va se refaire une partie. Alors j'avais fait une petite partie pour le retester, mais bon, je suis que level 8, donc on va la démarrer. Par contre, je risquerai de reprendre cette partie où je suis level 8, de façon à voilà, débloquer vite les items. Allez, hop, on en refait une. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez une, deux, trois, quatre classes. Vous avez le scientifique, le ranger, le marine et l'engineer. Alors, dans le scientifique, lui va être basé un petit peu plus sur ce qui est, je veux dire, évolution. Donc, le panneau solaire, les workbench, voilà, un petit peu tout ça, quoi. Le ranger, lui, il va être tout ce qui est pile, tout ce qui est. Voilà, il va être un petit peu plus orienté. Vers le tout ce qui est combat. Le marine, voilà, il est un petit peu, de toute façon on le voit, hein, il est un petit peu équilibré. Voilà, on a un petit peu plus de combat, on a 6 d'Engineer et 4 de science. Et après vous avez l'Engineer, bon, c'est la classe que je préfère, l'Engineer, personnellement. Donc vous avez 16 d'Engineer et voilà, l'Engineer en fait c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déverrouiller tout ce qui est habitat. Donc moi je pars toujours sur de l'Engineer, après chacun ses choix. Donc on part sur l'Engineer. Ouais, on fait un garçon. Donc là vous allez pouvoir changer un petit peu votre tenue. Voilà. Vous avez les choix des couleurs. On peut la mettre bleue, verte, comme vous voulez, la tenue. Tac. Donc nous ben, on va la laisser sur ça. Hop. On va mettre un petit peu de noir ici, voilà, et le glow, ça c'est la lumière en fait du casque. Donc là, on va se la mettre bleue, voilà, et on confirme. Là, vous avez la customisation, hein, donc vous pouvez l'agrandir, voilà, ça. Nous, on va laisser comme c'est. Hein. Là, c'est les points. Donc, les points de départ, vous avez 10 points de départ à attribuer. Donc, moi, je vous conseille d'en mettre de la stamina. Voilà, d'en mettre dans la vie. Et, allez, on va mettre un petit peu le strength aussi. Alors là, c'est pareil. Vous allez avoir attribué. Vous allez avoir 8 points de combat attribués. 8 points d'Engineer attribués et 6 points, 16 points pardon, d'Engineer et 6 points de science. Alors, ben nous, déjà pour l'Engineer, on part sur ça. Tac. Donc, l'appel, hein. On prend le coffre. Donc, on va déverrouiller l'habitat déjà. Attends. Donc, l'appel, on la prend pas, mais après, on pourra la refaire plus tard. Attends, je refais. Tac, tac. Tac, et là j'ai pas assez de points. Donc on va prendre l'appel. Ok. Là, après, nous reste un point, mais c'est pas grave. Ah mais il faut le déverrouiller lui du multitool. Je l'ai pas d'entrée le multitool moi. Si je l'ai d'entrée pour me dévouer pour le recrafter plus tard, allez go. Mais là, voilà, on va faire ça, on va faire ça. C'est ce qui va nous c'est ce qu'il nous faut vraiment en premier. Et ça, c'est tout. Après ici, donc ça c'est les flammes. Mais on est obligé de passer par là de toute façon. Hop, on va déverrouiller la forge. Et c'est tout. Voilà, donc là on a tous les points et la pile, mais je ne peux pas. Voilà, donc on confirme. On choisit un nom. Voilà. On confirme. Alors là, soit on joue en normal, en easy, en extrême ou en créative, nous on partira sur du normal. On confirme.
Et on crée la partie. Donc avant, on pouvait booster un petit peu d'XP et tout, et je crois que maintenant, on ne peut plus le faire. Donc on part avec des pré-réglages, quoi. Bon, là, il vous explique qu'il faut patcher. Hein. Sinon, vous perdez... voyez. On perd de l'oxygène, donc là... Ah, il faut que je parle, donc il faut patcher. Hop, donc vous récupérez tout ce qu'il y a à récupérer. Ici, ça, je le vois aussi. Vas-y. Bon. Donc hop, vous allez dans l'inventaire. Ah, hop, on fait glisser ça. Et on patch. En fait, donc, on va colmater... Et le bandage, ah, je peux le pick up maintenant. Hop là, on remonte l'oxygène. Je n'ai pas pris le... Ok. Ah, il est là. Voilà. Donc là maintenant on peut sortir. Allez. Voilà. Donc dans un premier temps, vous avez démonté tout. Il faut la démonter entière. Il faut démonter le pod entièrement. Hop. Hop. Allez, on démonte le pod. Bon, il faut récupérer toutes les pièces. Allez, on récupère tout ce qu'on peut. Donc là, c'est bon. Lui, il n'a plus rien récupéré. C'est pareil, vous récupérez tout, vous n'oubliez absolument rien. Même ça, vous prenez. Parce que dans ce jeu, tout est utilisable. Pareil, on démonte. On démonte, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut démonter là-dessus? Ça. Ça, on peut pas. Tout ce qui est en verre, vous pouvez démonter.
Alors voilà, alors on va repartir sur la sauvegarde que j'ai fait, parce que je suis beaucoup plus avancé sur l'autre sauvegarde. Voilà, donc là vous avez le démarrage. Hein. Fair dehydration detected. Alors j'ai pas mappé, hein. Je fais Alt Shift pour passer en clavier anglais. Donc voilà, vous allez débarquer, hein. Vous allez avoir des débris, vous allez vous casser la figure. Il va falloir farmer tous les débris et commencer à évoluer un petit peu. Donc vous avez des missions. Voilà. Alors, je les ai sur ici. Normalement, attends. Ici, je les ai ici. Voilà, vous avez quelques missions à faire. Mais... Et vous allez avoir quelques... Ça, c'est toutes les missions que j'ai complétées à 100%. Et vous allez avoir quelques missions à faire. Voilà, ça va jamais trop rien. Alors, vous allez avoir aussi des points de compétences à rajouter suivant le niveau que vous allez monter. Parce qu'il y a des niveaux. Et vous allez avoir aussi des points de... Ça, c'est le level, on va dire. Hein. Votre level, vous avez des niveaux de level et ça c'est votre point de compétence. Voilà, ce qu'il faut comprendre un peu dans les points de compétence, c'est quand vous allez faire du combat, ben, vous allez monter vos points de compétence. Quand vous allez faire des landgainers, alors landgainers c'est tout ce qui est farm, hein. Récupérer de la roche, vous allez monter de votre point de compétence. Et tout ce qui est science c'est basé un petit peu sur la nutrition, sur voilà, sur l'écologie en fait, hein. Vous allez monter vos points de compétence. Alors ici vous avez votre barre d'eau. Voyez, hop. Et ici, vous avez votre barre de nourriture qui est ici. Alors, chose qu'on pouvait pas faire, c'était faire cuire ce que les mobs qu'on tuait. Maintenant, on peut le faire. Ça, c'est la température, hein, de la planète. Et ça, c'est la vie. Voilà. Et l'intégrité qui est à 100%. Voilà. L'intégrité, c'est l'intégrité de la combinaison. Voilà. Alors. Là, ici, quand vous faites par exemple F1, alors là, moi j'y suis allé là, vous faites ici, vous faites F2, vous allez dans Build, hop, et après, si vous faites Exit Tab, on va aller ici sur l'inventaire. Donc, l'inventaire, vous pouvez avoir directement F2. Alors là, vous avez une roue, donc vous avez votre roue avec votre inventaire. Hein. Alors, je l'avais direct. Je voulais... Alors, ça, on verra plus tard. C'est pas ça que je veux. Ça non plus. Bon, ok. On va aller là. Donc, ici, vous allez avoir tout ce que vous allez pouvoir build. Mais ça, on va le voir après. Voilà, on va pas le voir de suite. Ici, vous allez avoir tous les skills. Alors, ce qui nous importe vraiment, c'est les skills. Alors, au fur et à mesure que vous allez monter de l'endgainer, vous allez débloquer des skills. Alors voilà, commencez toujours par débloquer, d'accord, la pelle, il faut que je la débloque par contre. Donc, sinon je vais pas pouvoir faire des vitres. Mais commencez toujours par débloquer l'habitat, et là on a un petit peu les, voyez, les engins que vous pouvez vraiment avoir. Hein. Donc vous pouvez avoir un rover, vous pouvez avoir un overcraft, vous pouvez avoir un spaceship. Alors lui, il va nous permettre de pouvoir nous déplacer de planète en planète. Et on a un mecha.
En véhicule, je trouve que c'est quand même bien fourni et les véhicules sont vraiment jolis. Vous allez voir, on va les crafter au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Voilà, si sachant que si j'ai un minimum de 50 vues, ben, je continue. Si j'ai pas 50 vues, ben, je joue seul. Donc, je ferai pas de vidéo, quoi. Ça sert à rien de faire des choses qui vous plaisent pas. Si vous aimez que du Star Citizen, on va mettre que du Star Citizen. Donc là, ici, on a la science. Donc la science, c'est tout ce qui est technologie. Hein, voilà, les panneaux solaires, voilà, les satellites, voilà. Ça, on a la science. Et on va pouvoir faire aussi des stimulants. Voilà, ça, aujourd'hui, vraiment le déverrouille avant. Ici, on a le combat. Dans le combat, on va trouver, voilà, le Ferenc. Ça, je l'avais. Par contre, le temps va changer. Alors, le temps est vraiment très évolutif sur cette planète. Là, ça va très bien, mais à un moment donné, vous allez perdre de la vie. Donc, si vous ne vous mettez pas dans un habitat, vous perdez de la vie. Et après, voyez, vous allez avoir tout ce qui est tourelle, tout ce qui est armement pour vous défendre, parce que sachant que sur cette planète, en fait, vous allez être attaqué. Voilà, vous avez des mobs qui vous attaquent en permanence, en permanence, en permanence. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait d'abord le premier habitat qui est un safe point. Hein. Vous appuyez sur F, vous faites un save point. Et ce save point, vous pouvez le faire toutes les 2 minutes ou 3 minutes. Je sais plus. Voilà, 4 minutes 55. Toutes les 5 minutes, vous pouvez faire un save point. Après, ici, là, vous allez avoir démonté et réparé. Ça, c'est vraiment très important puisque ça vous met donc votre point, hein, votre base. Hein, vous êtes promené au point rouge. Et ça va vous mettre aussi les crafts. J'ai entendu un bruit bien dégueulasse. Alors je vais baisser juste un petit peu le son parce que j'ai pas l'impression que. Quoi, j'ai bien l'impression que on est au taquet là. Attends, il est où le master volume ici? Maintenant, on est un peu bas. Là. Voilà, vous voyez, il y a une bestiole qui vient de passer au-dessus. Donc sachez que au fur et à mesure que vous allez évoluer, que vous allez faire votre base, vous allez pouvoir mettre des tourelles, vous allez pouvoir mettre même des shields qui sont alimentés par le soleil pour éviter à ce que les bestioles viennent dans votre périmètre. Donc nous, ce qu'on doit faire là, alors j'avais été chercher du minerai. Oh, donc j'ai pas de bouffe. Donc là, on peut le faire cuire. Hein. Donc on va. J'ai rien en fait. Je n'ai qu'un de chaque. Sérieux. Plutonium, hop. Et vous avez des astéroïdes qui tombent, vous allez voir. Et ça peut vous tomber sur la tête, hein, comme sur votre base. Et faire des dégâts. Et ils ont rajouté l'espace aussi. Donc apparemment on peut faire des stations orbitales. Voilà, ça c'était une des grandes nouveautés qu'ils ont fait. Et ce qui est sympa, c'est qu'on arrive jusque-là, quoi. Alors moi, ce que je vous conseille, oui, je me suis mis un petit peu loin des spots là. Donc vous avez vos points aussi qu'il faut monter. Alors, et vous démarrez qu'avec un couteau, c'est vraiment chaud.
plus j'en ai deux là. Alors on va essayer de se dépêcher, ne pas trop perdre de temps, parce que quand on est sur des, ça prend des dégâts. Dans la hutte, elle prend des dégâts. Alors on peut la réparer. En fait, F. Hop, voilà, vous réparez votre hutte. Ça c'est pareil, ça prend des dégâts, donc on répare. Tout prend des dégâts. Et vous gagnez de Endgainer. De réparer. Bon là tout ça ben, j'ai démonté hein. Alors nous ce qu'on veut faire, ben, c'est une base. Alors nous ce qu'on va vouloir crafter, hop, tac, c'est le démarrage, c'est celle-là, c'est l'habitat là. Donc il va me manquer du steel, de glace, donc il faut une pelle, de l'aluminium. Faire de glace, on fait avec le sable. Non, tu sors ça, s'il te plaît. Voilà. Là. Là, je peux en faire. Oui, le sand. Non, je peux pas en faire. Donc, il faut la pelle. Alors. Ah, si, j'avais dû en faire alors. Là, je pourrais faire de l'iron. Le plutonium aussi. Là aussi, donc l'aluminium. Hop, regardez ce que je disais. Voilà, on se prend des astéroïdes. Un astéroïde qui est tombé pas loin. Là-bas, ça fume. On va aller voir ce que c'est. Allez, les conditions climatiques, comment elles sont dégueulasses. Ah ben c'est du plutonium qui est, il est là-bas. Je vais essayer de farmer et de revenir. Ah, c'est du rock, on s'en fout. Waouh, j'avais pas prévu ça par contre. Ouais, comment c'est dégueulasse. Putain, là par contre je suis mal. Parce que j'ai pas d'armes. Attends, s'il te plaît, dégage. Elle est partie. Ouais, c'est bon, la trace. Alors, attends, ça, je le range. Il va falloir faire un coffre aussi à un moment donné. Tac. Je l'ai pas, celui-là. Si je fais à des tobac. Ah, mais il se range comme ça, ok. Vital stabilized.
On fait des two back comme ça, il y va tout seul. Ok, là c'est bon. Alors, est-ce que je peux faire ma pelle pour faire le sable? Laisse. Alors je peux la crafter où déjà la pelle. Thank you.
Alors, est-ce qu'on peut faire cette construction? J'ai récupéré dedans, dans la forge. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Ça, c'est le moins cher. Ça me paie pas beaucoup, hein. Normal, ouais. Non, mais on aurait dû faire peut-être celui-là. Là, il manque du style. Déjà, on peut faire le tour comme ça, là. Tout comme ça, là. On pourra recharger plus tard, les amis. On peut pas faire le tour. Bref. Rien de dehors, comment ça fait? Ouais, ça fait un petit peu... Un peu comme ça me plaît. Après, la prochaine fois, on va crafter ça. Je vois le tunnel, mais là c'est pareil, je vais faire de la ressource. Tu vois, pareil, il va manquer de l'aluminium. Bon, ben voilà les amis, on va s'arrêter sur ça. Hein. Alors, on en convient que le démarrage c'est jamais très passionnant, mais au fur et à mesure, ben, ça va évoluer. Hein. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous, on se retrouve au prochain numéro. Et en attendant, portez-vous bien, sachez une chose, si vous êtes les meilleurs, tchou tchou tchou.